Ça fait longtemps qu'on sait que l'activité physique est bonne à la fois pour prévenir beaucoup de maladies chroniques, mais qu'elle est également maintenant, avec de nombreuses études depuis une vingtaine d'années, bonne pour traiter ces maladies chroniques. Le principal facteur de risque de mortalité, c'est la sédentarité, donc on lutte en faisant de l'activité physique. Et par la suite, on peut citer quasiment toutes les pathologies dans toutes les spécialités, avec un point d'orgue sur la cardiologie, puisque ça c'est la base, avec des mécanismes qui sont bien connus. Une fois la prescription faite par rapport au médecin prescripteur, l'idée c'est d'avoir les précautions à prendre en compte sur les activités physiques. Et à partir de là, l'enseignant à part est à même de mettre en place, on va dire, un bilan motivationnel avec son patient pour voir où il en est avec l'activité physique. Quand il y a une atteinte sévère, c'est plutôt kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotricien. Les atteintes modérées sont des licences au minimum STAPS APAS, c'est-à-dire activité physique et santé. Et puis plus l'atteinte diminue, plus on fait rentrer le potentiel éducateur sportif ou autre en fonction du diplôme qu'il a. Les patients, on les évalue de manière assez simple en fin de compte. L'idée c'est d'évaluer leur niveau de condition physique. L'activité physique, c'est tout ce qu'on fait quand on ne fait pas rien. À partir du moment où le muscle bouge, le muscle fait réaliser des mouvements, c'est de l'activité physique. Il y a plusieurs types d'activité physique. Il y a celle professionnelle, quand on bouge pour le travail. Il y a les tâches ménagères qui en sont, il y a les activités de transport qui sont une activité physique, et puis il y a le loisir qu'on entend tous, avec soit une activité physique adaptée, modérée, soit la pratique du sport, voire le sport intensif.